Bonjour à toutes et à tous, c'est Voodoo8 de Video Gameplay avec Darkslider. Salut à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Skate 3, qui est un jeu donc développé par Electronic Arts. Il est sur PS3 et Xbox 360. Nous, on va tester la version Xbox 360. Donc on lui a mis 7,4 sur 10 parce que ses graphismes sont vraiment excellents, son gameplay est magnifique. Donc tu vas nous en parler tout à l'heure. Il est sorti le 14 mai 2010, sur les deux plateformes. Donc Skate 3, c'est une simulation de skateboard réaliste, donc il y a plein de défis. Vous pouvez personnaliser votre skate, vos skateparks, vos skateurs à fond, franchement c'est incroyable. Gérer votre équipe, Oui voilà, etc. gérer notre équipe. Et donc vous pouvez partager tout cela avec des joueurs du monde entier en ligne. Donc Darkslider, tu vas nous parler un peu de ce jeu, qui est ton jeu coup de cœur quand même. Ah, écoute, t'as déjà quasiment tout dit. Donc oui, donc comme t'as dit, donc on peut gérer son personnage, être avec les défier les skateurs pro, faire boucherie, c'est-à-dire que c'est un défi où est-ce qu'on doit se casser la gueule le plus de nombre de fois possible. Et ça fait des points. Et ça fait des points, voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal comme mode. Donc c'est sympa, Donc ça. ça c'est un peu la rigolade, quoi. Donc c'est Très très ludique. marrant. Oui, c'est très ludique, oui. Voilà. Donc non, par contre, ce qu'il faut dire, c'est que ce jeu est vraiment réaliste comparé à Stalked ou Tony Hawk. C'est vraiment un jeu très très réaliste Ah oui. qui est très bien fait par les développeurs d'Electronic Arts. Ah bah tiens, tu viens de me débloquer un succès. Bon, Même si Stockade c'est un jeu de snow, mais c'est pas oui. grave. Mais il le compare pas mal de gens, j'ai vu que pas mal de gens comparaient ce jeu à Stalked. C'est bizarre, je sais pas pourquoi, mais bon. J'ai pas trop compris. Donc voilà. D'accord, on a Yep, un hop homme à là. terre. D'accord, oui. Donc Non, des ça. fois ils sortent des petits. Oui. Les gens ils sortent des fois des petites vannes Tu ou. nous fais ton méga saut ou Oh pas? bon, non, 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 je vais me Non, pas claquer aujourd'hui. la gueule alors. Non, non, parce qu'en fait, Darkslider a réussi à faire un méga saut. Donc je vous montrerai le lien de la vidéo. Il l'a réussi deux fois. Et franchement, c'est impressionnant. Parce que ce saut, vous ne pouvez pas le faire sur une. Normalement, vous ne pouvez pas en faire un saut aussi haut. Oh, tu t'es craqué. Le saut, vous ne pouvez pas le faire. Allez, Voilà, oui, vas-y, c'est reparti, c'est reparti, Bibi. allez, on Et continue. voilà. Donc en fait, vous ne pouvez pas faire un saut aussi haut. C'est impressionnant comment il le fait. Faut le C'est. faire qu'en mode facile, alors. Oui, voilà, parce qu'en mode normal et difficile, c'est impossible. Mode normal et hardcore, c'est. Oui, Non, c'est impossible. impossible. Donc voilà. Donc là, la particularité de ce jeu, c'est que c'est quand même rempli de possibilités. Quand tu fais tes figures, c'est. Ah bah. Il y en a des milliers. Bon, des fois, il fait une figure, tu veux pas qu'il la fasse, tu veux qu'il en fasse une autre, Voilà, mais c'est bon. pas grave. Des fois, oui, t'as des problèmes Jouabilité. de jouabilité. Donc en fait, comparé aux autres jeux de skate comme Tony Hawk. Dans Tony Hawk, normalement, t'appuies sur un bouton. Et ben là, pour faire les figures, normalement, c'est avec la gâchette droite. Donc pour faire des figures, c'est plus pratique, quoi. Tandis que dans Tony Hawk, tu pouvais faire tout ce que tu voulais sans te craquer, quoi. Tandis que Voilà, là, donc là, oui, c'est beaucoup plus réaliste. tu te craques, quoi. Voilà. Au moins, C'est. tu sais Voilà. pourquoi, quoi. C'est ça qui est bien dans ce jeu-là. Donc. Oula. Oui, donc par contre, faut quand même préciser que l'IA n'est pas très intelligente. Ah non, des fois tu te Elle est manges des gens, vraiment. tu te manges des persos sans Oui. que tu n'en aies envie, mais bon, voilà. Tu On nous peut pas fais une. avoir un jeu parfait à chaque Voilà, fois, bien oui, ben sûr. c'est bien entendu ça. Tu nous fais une petite démonstration de ce que tu veux Bah ou. attends, je vais essayer de faire un saut. Voilà, donc là c'est le méga saut là que tu veux Hein. essayer Ouais, de allez, tenter. on est parti. Alors là c'est le méga saut, donc Donc on regardez part bien. de là. Alors normalement, si je me craque pas, voilà, tout va bien. Pour l'instant. Pour l'instant. Faut passer là, faut tourner, prendre là, voilà, comme ça on gagne la vitesse. Et on monte jusqu'ici, et normalement, bah, sans me craquer, je me Ah craque. dommage, dommage. Ouais. Ça fait mal au. Oui. Dommage, non Donc mais n'empêche que. normalement, j'arrive à aller de l'autre côté et partir nickel. Mais bon, la chance ne peut pas être avec tout le monde. Oui, et tout le temps, ça Et c'est tout le sûr. temps, oui. Parce que soit tu te craques à cet endroit-là, donc ça c'est. Oula. J'ai eu peur moi Et aussi, oula, un des fois petit t'as pas saut. assez de puissance, donc tu vas faire Voilà ça. une grosse merde. Voilà. Enfin bref, donc je vais quitter cet endroit-là. Donc ça c'est le Super Ultra Mega Park. Donc il D'accord. y a plusieurs endroits, il y a Oui, le. on est dans une ville et qui a quand même 3 ou 4 sites, je sais plus. Oui, là on est dans une ville, puis un autre endroit. Non, attendez, je vais peut-être vous montrer la carte. Donc voilà, vous avez trois endroits. Donc bien défini. Après, voilà, il y a le port, je crois.
Oui, il y a le, Il y a bah, la ville, où est-ce qu'on est? la cité des étudiants aussi. Bah, c'est ici aussi. Bah, un autre endroit de la ville. Et puis, ah non, oui, pardon, je dis des conneries. Oui, il y a l'université, puis il y a la ville. Il y a la Il y a grosse trois ville. zones. Voilà. D'accord. Donc on a aussi les personnes, les persos, on peut les modifier de A à Ah oui, on peut tout Z. modifier. Tiens, je vais vous Vas-y, montrer ça. montre-nous ça. Vous allez dans Edit Skater. Bon, voilà, là, c'est nos persos, mais bon, on les a pas. On les a pas encore bien fait, Voilà, on est au mode commencement encore. Voilà, on est au Sur commencement. cette console, on est au mode commencement. Voilà. Sur la Donc, tienne, c'est déjà vous pouvez fini. choisir le sexe, la peau, etc., comme d'habitude, hein, comme dans chaque jeu. Après, vous avez toutes les marques Le skateboard les de plus connus. skateboard qui existent, donc Adidas, Falen, Anti-Hero, etc. T'as DC aussi. D'ici, oui, voilà, il y a Y a toutes le les plus marques connu. quasiment. En même temps, elle est marquée sur ta board, mais je la dis pas. Oui, voilà. Non, 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 vous n'avez pas le droit. Voilà. Donc, vous pouvez modifier tout à Z, les chaussures, les chaussettes. Bon, les chaussettes, oui, il n'y a pas grand choix. Hein. Oui, Bon, par vous contre. pouvez utiliser des planches des grands pros. Donc, Oui. voilà, c'est marqué. Hein. Donc, après, vous en avez beaucoup. Hein. Vous pouvez changer les trucks aussi. Bon, voilà. Enfin, on n'a pas tout dévoyé, Les malheureusement. trucks, pour expliquer, c'est la barre en métal qui Oui. tient les deux roues à la planche. Oui, vous voyez un peu quand ça bouge, change de couleur, bah, c'est ça, en fait. Voilà, Donc, moi, j'ai pas tout amélioré. Ouais, sur cette partie, on n'a Voilà. pas tout débloqué. C'est pas là, Voilà. oui, voilà. Donc voilà, donc on a des coéquipiers aussi. Alors, oui, vous pouvez les appeler, vos coéquipiers, pour venir skater avec vous. Donc, Donc on c'est peut sympa, appeler nos voilà. skateurs, allez, appelle Voilà. Bibizou. Tiens, bah, encore un. Et vous pouvez jouer en jeu libre. Alors, le jeu libre, c'est que vous pouvez choisir n'importe quel personnage que vous avez débloqué. Donc, Ah oui, voilà. d'accord. Vous pouvez faire les réglages de beaucoup de trafic, pas beaucoup de trafic, Les etc. piétons, le Les skater, il y a. piétons, voilà, la circulation des voitures, etc. D'accord. Et sinon, dans le jeu, dans les modes personnages, t'as aussi un Stackman et Bones. Oui, Tu alors nous les Stegman, montres? c'est un espèce de grosse viande hachée, enfin une grosse viande, gros steak qui est sur la board. Bon, C'est pas très bien c'est fait. pas très bien Ils ont fait. tout misé, à mon avis, sur les os, parce que franchement, là, c'est super bien Sur, fait. oui, sur le squelette, alors Oui. lui, il est bien fait, franchement. Mais bon, voilà, c'est des petits trucs en Oui, plus c'est des qu'on petits débloque trucs à au débloquer. fur et à mesure du jeu. Voilà. Par contre, il y a quand même un point négatif dans ce jeu, c'est quand on chute, Ah oui, les chutes sont très ils mal sont très faites. mal faites. Oui, c'est vrai, oui. Ça, par contre, c'est très mal fait. Et avec le squelette, c'est ce que je trouve regrettable, c'est qu'on voit pas les os qui se cassent. Oui, vraiment se casser, oui. C'est. Quand vous êtes en mode boucherie, vous voyez les os qui sont cassés en rouge. Donc voilà. Mais c'est tout, on voit pas le On voit, mec qui voilà. saigne ou ça. Ça, c'est pas encore. Donc on espère que dans Skate 4, peut-être qu'il y aura cette modif, mais bon. On espère. Donc je vais vous parler du mode Rediff. Donc vous pouvez faire des vidéos grâce à l'éditeur de Rediff. Donc vous allez cliquer dessus, voilà. Après, vous pouvez revenir en arrière, avancer, etc. Éditer la barre de temps, donc vous pouvez choisir une autre caméra. Donc Oui, ça, les c'est-à-dire, caméras, on peut la modifier voilà, on comme peut on veut. modifier la Oui, c'est d'accord. caméra, comme ça, le mec il court, enfin, voilà. Ah oui, ça, c'est pas mal. Oui, c'est sympa, oui. Après, tu peux créer ton propre skatepark. Ah oui, Donc d'accord. voilà, y en a déjà de préconstruits. Oui, Donc ça, non, tu c'est pas me. là, Oui, autant pour c'est moi. d'autres, oui. Donc voilà, vous avez un centre, vous avez. Voilà, vous avez ça. Et vous avez le stade qui est le plus sympa, mais on l'a pas débloqué. Oui, on l'a pas encore débloqué, malheureusement. Si vous avez des problèmes au niveau des tricks, vous pouvez activer la jauge d'analyseur de tricks. C'est-à-dire que quand vous faites un tricks, vous pouvez voir, voilà, Le dessin le dessin de. en bas. Voilà. Et c'est marqué à gauche le trick que vous avez fait. À côté de la barre x3, qui n'y est plus maintenant. Et pour parler des tricks, donc il y a une grosse panoplie. Donc vous avez les tricks à terre, vous avez les tricks grabés, c'est-à-dire avec les mains, etc. Vous avez vraiment plein de choses, c'est vraiment varié, c'est ça qui est super sympa. C'est un bon jeu, quoi. Voilà, c'est un Un bon bon jeu de jeu. Et skate. il est vraiment. Ouais, il a une bonne durée de vie quand même, parce que à force de. Enfin, vous avez vraiment les vidéos, les photos, les points photos, vous avez les Oui, contextes. il est très long, quoi. C'est comme jeu, c'est vraiment Ah long oui, jeu, un jeu assez long quand même. voilà, vous avez des tournois, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Puis après, il y a le multijoueur que vous pouvez partager vos photos, vos vidéos, etc. Le skatepark aussi, Au les skatepark aussi, skateurs. oui, bien sûr. Et donc Donc nous, on est voilà. dans une team, la Supreme Team, et Ouais, c'est c'est sympa, assez ouais. sympa, franchement. On Voilà. a découvert le mode online il n'y a pas si longtemps, et Ouais. franchement, c'est sympa. Je vais vous montrer, hein, pourquoi pas. Hein. Alors, vous allez dans carte des filles. Bon, bah. Est-ce qu'on fait un petit duel? Allez. Vas-y. Hop là.
Bon, bah tant pis, hein. Pas. Ce sera une prochaine fois, mais une d'accord. Prochaine fois, ou je sais pas quand. Ah, il est en bleu, lui, pour vous. Oui, c'est notre pote. D'accord. Voilà. Il est en mode. Donc c'est lui, là. On a, le pote qu'on a appelé, bah, c'est lui, là. Ah, d'accord, il se met en bleu, donc comme voilà. Ça, on peut le suivre. Voilà, on peut le suivre. D'accord, hein, c'est pas mal, c'est bon à savoir ça quand même. Ah oui, oui. On ne perd jamais ses coéquipiers. Exactement. Bah, des il fois, vous suit. Ils nous suivent, ah, d'accord. Vous allez à un point A et lui il va à un point C, bah il va vous suivre quand même. Bon, des fois il va peut-être réapparaître devant vous, ce qui va vous gêner, mais bon, voilà. C'est le jeu quoi. Bon, on va se quitter sur une petite figure pour la fin. Oui, voilà. Il fait... Là, t'as un. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, bah voilà. Hein, commentez, vous pouvez. Oula, oui, là il y a eu un petit bug. Oui, je sais pas pourquoi. Ouais. Là aussi. Et ben on va se terminer sur cette chute. Donc non, merci d'avoir vu cette vidéo. Oui, donc on a la chaîne, le site et le Twitter voilà. Qui sont à votre disposition. Si vous avez des idées, etc., bah, vous pouvez. Hein. N'hésitez surtout pas, voilà. On est là à votre écoute, c'est pour vous. Exactement. Donc c'était un Gaming Life sur Skate 3 avec vidéo gameplay de Vaudou et Darkslider. Salut, à la prochaine vidéo. Salut à tout le monde.